Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer un petit peu la musique, puisqu'on va parler des 45 tours. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas mal, et voilà, je voudrais évoquer avec vous tout ce que je possède. Donc évidemment, il y a essentiellement les années 80 et 70, et comme par hasard, on retrouve Gold, Capitaine Abandonné, très très bon, dédicace à Romain Descharrettes, qui connaît un petit peu, hein, bien sûr. Wham, George Michael, Last Christmas, un classique de Noël. Magnifique chanson. Pass the Dutchies, ça c'était très très bon ça. C'était des gamins qui chantaient en mode reggae, je pense que vous avez connu. C'était en 82 plus exactement. Cock Robin, je suis un grand fan, j'adore. J'ai d'ailleurs vu Peter Kingsbury au Havre en concert. When Your Heart Is Weak, très bon. Ça, on va passer, c'est des génériques de télévision. Ça, c'était à ma maman, Dan the Bongoman. Il y en a qui ne doivent pas beaucoup connaître. David Hallyday, bien évidemment. Une chanson qui s'appelait How About You, je l'ai trouvée dans un vide-grenier. France Gall, alors ça c'était à mes parents. Hein, c'est tout pour la musique qui résiste. Hop, très bon disque. Voilà, abîmé malheureusement. Alors ça pour la petite histoire, c'est le dernier 45 tours que mes parents ont acheté. Enfin, on l'a offert à une fête des pères de mon père. Voilà, c'était le dernier 45 tours qu'on a eu à la maison, c'est USA for Africa. Michael Jackson, Quincy Jones et tout un tas d'artistes. J'adore cette chanson. C'était les années 80, bien sûr, en 84, avec We Are the World. Ça, petit coup de cœur aussi, parce que c'est l'année de ma naissance, c'est Pink Floyd avec Another Brick in the Wall, sorti en 79. Donc là, le vinyle est abîmé, hein, parce qu'il est passé tellement de fois sur la platine que, bah, au bout d'un moment, hein, quand ça a 40 ans, ça s'abîme. Ça, on passe, ça, on passe. Alors ça, magnifique. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Pareil, c'était à mon père, on l'avait acheté en 45 tours dans un codec. À l'époque, on achetait les 45 tours dans les supermarchés, et oui, et ça venait du codec de la campagne. Et c'était aussi pour une fête des pères. Ça, c'était à mes parents aussi, Barbara Streisand, j'adore. Kim Carnes, Bette David's Eyes. Les années 80 encore, hein, bien sûr, avec une superbe chanson. Alan Stivell, Three Martelots, c'était à mes parents. Pareil, pas mal. Quarter Flash, I Done My Heart. Alors ça a un petit peu disparu, c'est un petit peu un truc qu'on a ressorti du grenier, mais c'était super dans les années 80, avec un super solo de saxo, très bon son. Ah, ça c'était à Virgile, évidemment. Booba, c'est ce qu'on appelait les livres histoires. C'était un livre 45 tours, et dedans il y avait une petite histoire. C'est un peu rare, il est un peu abîmé parce que bah, j'en ai fait un petit peu n'importe quoi, mais c'est un petit peu ma madeleine de ma jeunesse. C'était mon 45 tours à moi que mes parents avaient acheté. Et c'était donc bien sûr chanté par Chantal Goya, et ça passait sur FR3 avec le vieux logo là. Ça, c'est très rare aussi. Pop Concerto Orchestra, c'était musique de pub de Telefunken. Eden is the Magic World, c'était très bon ça. Frankie Goes to Hollywood, voilà, ça c'est très bien aussi ça. Chanté Relax, Relax, leur premier tube. Et ça, c'était le slow qu'ils avaient fait après, c'était The Power of Love. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, ça c'est pareil, c'est les années 80. J'adore. Il avait fait aussi The Riddle, mais je préfère largement cette chanson-là. Et puis, voilà, ça me rappelle tellement de souvenirs de Radio FM et puis des tubes qui passaient. Brian Ferry, ancien membre du groupe Roxy Music, qui après avait fait une carrière solo. Magnifique chanson. Men at Work, un grand groupe des années 80, à qui on doit aussi Overkill. Et voilà, j'adore cette chanson. Les Commodores. Alors ça, c'était un groupe dont, avant qu'ils partent, c'était le groupe de Lionel Richie, de la Motown. Et après, ils ont fait une carrière à part. Et cette chanson Night Shift, c'est un slow des années 80 aussi. Jimmy Cliff, We Are the One. Cookie Dingle, Femme Libérée. Donc là, on est dans la France, là, hein. Et c'était une chanson vachement bien. J'avais pris ce 45 tours-là que j'ai acheté dans une brocante. Culture Club, Love is Love. Ça, c'est le slow qu'ils avaient fait un petit peu après Karma Chameleon. Superbe chanson. Lionel Richie, Ballerine Girl. Ah, alors ça, Kokomo, The Beach Boy. C'était la chanson du film Cocktail. Et pareil, belle chanson, ça passait l'été. J'adore. Ça, c'est un coup de cœur aussi pour moi. Vanessa Paradis, ça passait l'été 88. Marilyn et John. Y'a qu'à danser de Raft. Ça rappelle aussi les fêtes du village quand on dansait à la salle des fêtes avec Y'a qu'à danser. Ils avaient fait après Femme du Congo, mais ça avait peut-être moins marché, je pense. Ça, c'est un peu rare. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont connaître. Adrian Gurewitz avec Classic.
C'était une chanson qui date de 82. Gloria Estefan. Alors là, on est quasiment, je crois qu'on est dans les années 90, non, en 89 encore. Et j'adorais cette chanson. Pour ça que je l'avais pris en occasion. Here We Are. Rick Astley. Alors là, on est à la fin des années 80, en 87. Hein, le petit rouquin anglais qui chantait des chansons qui bougeaient bien d'ailleurs. C'était pas mal. Moi, j'aime bien. Ça, c'était un peu rétro. Starmania. Bon, voilà. Hein. Nicolas Perrac pour les vieilleries des années 70. J'adore aussi cette chanson, So Far Away From LA. Gérard Manset. Ah, alors pour les gros fans des dessins animés des années 80 comme moi, il y avait Les Mondes Engloutis. Un dessin animé. Alors le dessin animé était un petit peu zarbi, mais le générique était extraordinaire. J'adore cette chanson. Et là, je crois que ça fait partie des plus beaux génériques de dessin animé que j'aime de ma jeunesse. Voilà, ça c'est une dédicace pour Arnaud Magnier qui se reconnaîtra. Marie-Myriam, Casimir. Qui chantait un des. Alors j'aimais bien le générique principal de Casimir, L'île aux enfants, mais ça c'était une autre chanson qui passait dans Casimir, qui s'appelait Casimir, mon habit. Et j'avais trouvé le CD, le 45 tours d'occasion. Frederic Coleman et Jones avec Nuit, ça c'est une pépite pour moi aussi. Mark Boyce, Hey Little Girl, ça c'est pareil, il y en a plein qui ont dû oublier ce que c'était, mais c'était un slow, pareil, une super chanson d'été. Calicoba de Gold, superbe. Ça c'est de la musique de mes parents. Linda Ronstadt. Blue Bayou, une superbe chanson aussi, une chanteuse qui faisait un peu de folk dans les années 70. The Car Drive, ça c'est pareil, c'est les slow des années 80, comme je les aime. Police, Walking on the Moon, bon ça je ne fais pas de présentation, je pense que tout le monde connaît. Les romantiques, Talking in Your Sleeps, très très bon 45 tours aussi, j'adore cette chanson. Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. Alors, ils avaient fait, tout le monde connaît bien sûr, Eyes in the Sky, et Don't Answer Me était leur deuxième 45 tours le plus connu, en fait, qu'ils ont sorti en FM. Jerry Rafferty, alors là, on est à la fin des années 70, en 77, avec cette chanson. C'était un mec qui avait fait qu'un seul tube, il avait fait un album, mais le plus connu, c'était Baker Street, c'était une superbe chanson avec un superbe solo de saxophone. Jermaine Jackson. Un des frères Jackson qui nous avait sorti ce superbe slow aussi des années 80, Do What You Do. Il y en a beaucoup qui ont sûrement oublié toutes ces chansons, mais à réécouter, je vous jure, c'est extraordinaire. Images, Émile et Images, hein, comme on connaît bien, corps à corps. Wet, 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 pour être encore dans les slows. Et bien sûr, pour terminer, un de mes slows préférés des années 80, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust des slows, parce que ça me rappelle énormément de souvenirs. C'était Spandau Ballet avec Trou en 83. Et ça, cette chanson-là, c'est extraordinaire. J'ai dû l'écouter 10 millions de fois dans ma vie. Voilà, j'ai le 45 tours, il est en excellent état, la pochette aussi, et j'en suis très content. Voilà, merci à vous. Au revoir.